je veux bien prendre une franque. Je veux bien prendre une franque. Bon, j'ai pas fait pour me tenter le soir, mais... Mais pour l'instant, j'ai pas en tête pour te parler, parce que je sens. J'ai pas mal. C'est possible que j'ai déconné sur ce coup-là. Ou c'est important de ne pas t'excuser. Ouais, puis maintenant qu'il y a des gens pour bosser. Salut Richie! Ouais, y a des gens pour bosser, Paul. Mais tout à l'heure il fallait faire de la custo, c'était chiant. Et bonsoir, ah, ouais. Ouais, désolé. Salut Calais. Ça va, Calais? Ça va? Ça va, tranquille. Bah écoutez, je vous laisse. Ouais, ça marche. Vous avez beaucoup de nouveaux à former. Allez, ciao! Ça va, ça se forme tout seul, c'est pas nous qui nous en chargeons. On demande aux autres de faire ça. Bonne soirée, Richie. Bonne soirée, Richie. Et bonsoir tous les deux. Calé. Pardon. Bonsoir. Incroyable ce pull, Trent. C'est pour être aux mêmes couleurs que ma voiture. Ah ouais, alors, moi, je crois que j'ai pris un flatbed. Il y a Avery qui a eu un accident. Il m'a dit, je vais attendre d'avoir. Hein? Et. Il va bien? Ouais, il va bien en fait. Ah, mais il me dit qu'il est ici. Il est où? Par contre, attendez, je suis un peu perdu. Avery. Pardon? On cherche Avery là? Ouais, c'est où il est? Bah, c'est moi. Mais. Ça va, Avery? Mais t'as pas changé de dire, cheveux? T'as si. Pas changé de. Voilà, si. T'as changé de coupe de cheveux. J'étais en train de me dire, c'est la seule personne que ça peut être. On n'a pas d'autre. Je les connais tous, ces intérimaires. Bah, je me suis dit, on a un nouvel intérim, ou alors je l'ai pas encore vu. Ok, non. Oh, ok, mais tu vas bien? Bah oui, ça va, et toi? Ok. Non, parce que vu qu'en plus, tu me parlais par un téléphone, je me suis dit, bah il est pas ici.
Je te taquine, c'est tout. Au moins ça va. Ah ouais, moi je suis... Non, ça me faisait rire, je suis désolé. Ah, Yali, là-bas. Ah ouais, puis en plus, je suis sûr que toi, t'es du genre à laisser aller là-bas. Et salut, Lee. Alors, du coup, c'est où, quand, comment? Bah, de base, j'ai dit 22h15, j'attendais qu'un des bars ouvre, mais il y en a qu'un des deux qui ouvre. Ça, ils sont pas ouverts, c'est vrai. Si. Hello. Ouais, ça va être un peu compliqué, là. Et si tu veux, je peux... Ah bah non, elle est pas à Madame P actuellement, mais je peux passer un appel à Adrien pour lui poser la question. Ouais, ouais, avec lui. De toute façon, je passe aussi pour après faire une custo, une petite custo de l'AI. Yes. Voilà, ça y est, t'as enfin la thune. Ouais. Félicitations. Beau, ça c'est beau, ça c'est bon. Ouais, ça décroche pas. Hein. Ah! Attends, je reviens. Bah écoute, je pense à la limite, pose un message sur le répondeur pour leur demander. Hein, ouais, si je vais voir. Ouvrir, en disant que t'aimerais bien. Ça doit être le Tekus, soit, vu que c'est un. Hier c'était l'unicorn, je crois. J'en sais rien. J'ai envoyé un message sur le TQ. Ouais. Ils avaient vrai qu'hier c'était l'unicorn, donc ça doit être. Il y a un véhicule tout beau, tout propre. Peter, yes. Les stand-up, c'est sous contrat ? Nope. Non. Alors, la facture de 360. Et bon courage pour le. Parce que t'envisages de faire en fait. Genre, MC sur le TQ. Mikael, je peux aller avec qui là pour la custo ? Oh bah, allez, on y va, hein. Let's go. Les intérimaires, vous pouvez observer si vous voulez, mais pas de custo tout seul ou accompagné. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup là. Ouais, il y en a beaucoup, je pense. Ah oui. Oui, il y en a un qui devrait être engagé, mais il nous a demandé de prolonger son contrat pour 3 jours parce qu'il en a été absent pendant 2. Nous, on était prêts à engager, okay. Mais s'il veut attendre 3 jours, comme il veut. Bref. Donc, par choix qu'avant. Ouais. Je crois qu'il y en a qu'un seul de toute façon. À part celui-là. Alors, est-ce que tu veux les moustaches ou le carbone ? Les moustaches. Allez. Et aussi, donc, par choc arrière aussi. Ouais. Là, tu peux simplement redire ce qu'il y a. Alors, tu as un diffuseur en carbone. Ouais. T'as invité du monde ou pas ? Bah de toute façon, il n'y a que vous pour l'instant, et peut-être 2-3 personnes à part, peut-être Molly et Meryl, et voilà. Ok, l'arrière d'accord, pain. Ça marche. Ou l'arrière-pain et diffuseur, donc en gros tu as... Fais voir l'arrière-pain, j'avais pas... Tu as par défaut ouais. C'est en carbone. Ouais. En carbone avec le diffuseur, pain avec le diffuseur. Pain avec le diffuseur. Allez. Hop, c'était ça que je voulais custo, c'est tout. Ah, c'est tout. Ouais, j'avais pas assez la dernière fois que je suis passé, donc là j'ai assez, je profite. Allez, t'es un ancien, t'es parti en bataille, je te fais une restante dessus. Surtout qu'après elle va partir un cadeau pour quelqu'un. Ah ouais. Ouais. Ouais, je vais te le faire à 5420. Ok. Plus ça me faisait quand même, au lieu de plus 6000. Ouais. Au moins, ça me permettrait une marge sur la tournée, vu que j'ai payé la tournée ce soir. Allez. Hop là. Hop, c'est payé. Vous lui avez des pommes, ça ? Attends, peut-être ça... Attends, déjà sortir et voir ce que Franck va nous dire. Ouais. Et voilà. On va pas se fermer. Accélère. Voilà. Alors. Bon, c'est beau. J'ai quelqu'un qui peut ouvrir le bar. Ah ouais. Lequel ? Le unicorn. Let's go. Alors, sauf que il sera pas officiellement ouvert. Ouais, officieusement. Je connais. Ouais, voilà. Donc du coup. À partir de quelle heure ? Hein ? Ça sera à partir de quelle heure ? Faut que j'aille chercher la personne, mais en gros vers 22h30.
Ok. Du coup, moi je vais pas bosser ce soir. Je vais aller aider la personne qui ouvre le bar. Et puis bah voilà. Mmh. Bah de toute façon, ouais, donc on se donne rendez-vous à 20h30 à Olympia. Ouais. 20h30, ça marche. Et Calais, il y a quelqu'un qui doit te voir aussi. Qui ça? Ouais, t'as pas reçu le message? Hello Lee. Yo. Quel message? Albert. Ah bah Albert, globalement... Il est en ville, lui? Ça faisait 2 semaines qu'il était pas venu, donc je l'ai mis à pied. Je lui ai envoyé un petit message pour lui prévenir que je m'étais à pied. Et il m'a envoyé un SMS me disant « Merde, moi qui venais bosser ce soir. » Ah oui, mais non. Moi j'attends une explication, il nous a rien dit, rien donné, il s'est juste pas présenté pendant presque 2 semaines. Ouais, bah écoute. Du coup, je te gérerai avec lui, moi je vais gérer le bar, et puis bah voilà. Okay, ça attends, et du coup, ton pot de départ, lui, tu le fais où? Donc 22h30, unicorn. Bon, à tout à l'heure. Mais attends, mais il est pas là, il est pas là, Albert, on est d'accord? Bah si, il m'a envoyé un message. Et il est où? Bah je l'ai vu aujourd'hui. Non mais il est passé ici. Et après, je sais pas, il doit être en ville. Ah, ouais, bah écoute, pour l'instant, il est mis à pied, hein. Je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'il peut venir s'il veut qu'on en parle, mais voilà quoi. Ok. Ah, j'ai croisé un certain Albert aussi. Oui, bah oui, c'est de lui qu'on parlait. Que j'ai mis à payer hier parce qu'il s'est pas planté depuis 2 semaines. Donc s'il veut revenir, bah j'attends une explication. Ah. Parce que j'ai croisé parce qu'il a appelé pour un problème avec sa moto. Et il m'a dit, je voulais rebosser ce soir et a priori je suis à pied. La ouais. Vous le disiez, ça va planter en presque 15 jours. En disant rien de spécial, il y a juste un soir, il nous a dit qu'il venait pas, mais c'est un soir sur les 14, quoi. Bon, à un moment, s'il veut revenir, bosser, bah, j'attends une explication, quoi. Hey, normal. Parce qu'à un moment, on va pas verser un salaire non-stop pour quelqu'un qui est jamais là. Hein. Ouais. Par contre, je commence vraiment à m'inquiéter pour mon frère, quoi. Enfin, je sais pas, il me renvoie pas de message ni rien. Et où? T'as essayé de l'appeler? Il est parti avec moi en intervention. Ah ouais? Et je l'ai perdu lors de l'intervention, mais je sais pas où. Ah, mais ouais. tu l'as appelé? Ah oui, j'ai appelé, j'ai envoyé un SMS, j'ai fait le trajet du retour par là où j'étais passé. Tu l'as pas trouvé? Pas vu. Je vais poser la question au médecin pour savoir si par hasard. Ouais, parce que ça m'inquiète un petit peu quand même, quoi. Enfin... Ouais, bon, après, c'est encore tôt pour s'inquiéter, je pense. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Si... Oui, mais quelqu'un qui disparaît comme ça en pleine intervention, bizarre quand même. Oui, non, c'est pas fréquent, c'est sûr. Et surtout s'il répond pas, quoi. Enfin... Oui. Mais c'est surtout que je trouve étonnant, c'est que genre on n'a pas eu du tout d'accident ou quoi. Ah ouais? Sur l'allée, donc c'est pour ça. En fait, il était au téléphone, et puis d'un coup, je l'ai plus entendu. Je me suis dit qu'il avait fini, puis que juste il avait rien à dire. Et arrivé au bout, mais il était plus là. Je me suis dit qu'il s'était fait capturer par Doc Lobby, mais pas de nouvelles. Or, ça m'embête. Non, je sais ce qui lui est arrivé. Ah, ouais? Je pense que sans faire un spray, il a détaché sa ceinture, et t'as heurté un truc, et pouf, il a disparu. Mais j'ai rien touché! Bah, même. En fait, ça m'est arrivé. Il y a un truc qui m'est arrivé comme ça. Genre, ouais. J'avais retiré ma ceinture sans faire spray. Et ouais. J'ai rien touché. Et je suis tombé dans les pommes. Ah! Ah, c'est embêtant cette histoire. Donc, est-ce qu'à tout hasard, ouais. C'était pendant une répa? Ah non, non, c'était avant que je travaille au Béniz. Bon, j'y vais. Alors, okay. Moi, j'ai envoyé un message okay. aux hôpitaux et... Bah, moi, de toute façon, même, je pense, là, je vais partir, parce que ça fait déjà 2 heures que j'y suis, et puis... Question, ouais, le pot de départ, c'est... Le pot de départ, c'est dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure, ok. Et c'est... Ah, attendez, c'est il y a le SMS qui m'appelle. Ah. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, alors, je peux prévenir que oui, il est dans nos services, il est... Ah. Apparemment, il y a eu un petit accident de voiture. Ok.
Bon bah s'il a été pris en charge, au moins c'est ça. Ah, au moins il n'a pas disparu. Oui voilà, il a été soigné. Et ok, il est soigné, ok. Bah, super. Ok, parfait. Bah, très bien. Est-ce que j'ai besoin d'aller venir le chercher? N'hésitez pas, quand il sera réveillé, n'hésitez pas à contacter son frère pour qu'il aille le chercher. Oui, ça marche, y'a pas de soucis. Voilà. Merci beaucoup, merci, bonne soirée. Pour l'instant, apparemment, il est encore... C'est pas tout à fait fini, mais comme je les ai... Oui, il s'est passé quoi? Apparemment, un accident de voiture. Ah ouais. Aïe, aïe. Je vais aller faire un petit tour au Weasel et je reviens de suite. Okay. Ok, moi je pense que je vais y aller, comme ça... Je suis prêt au cas où s'il me demande d'aller chercher mon frère. Mmh. Ouais. Et après, de toute façon, il y a le pot de départ. Oui, tout à fait. Et donc, c'est au Unicorn, hein, le pot de départ. Oh, Unicorn. Ok, bah à tout à l'heure si je vous vois là-bas. Ouais, tout à fait. Ciao. Si jamais il y a des mécanos qui sont pas en service mais qui sont sur la radio, le pot de départ de Lee est à 22h30 au Unicorn. Et du coup, on sait où il est au SMS. Ah merde, mais qu'est-ce qu'il faisait? Un accident de voiture, apparemment. Mais j'ai rien touché! Mais je sais que t'as rien touché. Quel enfer! Après, c'est peut-être lui qui a eu un accident de voiture tout seul, tu vois. En dehors du flatbed. Je sais pas. Bah, étant donné que j'ai perdu entre le moment où. Il était avec moi dans le flatbed et le moment où je rentrais, à mon avis, non. Ouais, oui, bah effectivement. Hey. C'est compliqué. Et on a des nouvelles de son état de santé ou pas? Bon, le médecin m'a dit que c'était tout bon, qu'il était soigné, et que dès qu'il pouvait être déchargé, ils appelleraient son frère, donc Avery, pour qu'il aille le chercher. Oh, c'est une bonne chose si les médecins sont au côté de lui. Décharger? Comment ça décharger? Relâcher, enfin qu'il peut sortir de l'SMS. Ah oui, d'accord. Y'a pas de soucis, c'est moi qui... Bref. Et on a perdu Tom. Quoi, comment ça? Bah il était là tout à l'heure, il est passé où? Ah ouais. Tom, t'es parti? Surtout qu'il a sa prime. Il a sa prime qu'il faut qu'il récupère. Sa prime de. Ok, c'est pas une grosse somme. Mais bon, comme. On récupère. Calais? Ouais. C'est le docteur Ertis qui avait une chimera, c'est ça que tu m'as dit? Oui, tout à fait. Est-ce qu'à tout hasard, t'as son. Numéro? T'as son numéro? Ouais, attends. Le 3577. Merci. Oui, c'était en pleine custo, elle m'a parlé de sa chimera, j'étais là. Ah, vous avez une chimera? Ça tombe bien.
Bon, j'ai envoyé un message à Albert pour lui dire que s'il voulait parler de sa mise à pied, j'étais au Belize. Il m'a répondu je fais un truc actuellement. Ouais, bon. Et même pas disponible pour venir parler de sa mise de revenir bosser à un moment. T'as dit mise à pied ou mise à prix? C'est quoi, j'ai mise à pied, mais j'aurais pu le mettre à prix, hein, franchement. Ah. Non, parce que j'ai compris mise à prix, je me suis dit que bon, c'était un peu excessif quand même, mais bon, on sait jamais. Non, non, je l'ai mise à pied, mais s'il continue de me prendre la tête, peut-être que... Non, je rigole, mais... Ça reste un peu excessif. Écoute, ça fait combien de temps que t'es au Belize? Ça va faire 2 semaines. C'est ça, ça fait très exactement 14 jours. Est-ce que tu sais depuis combien de temps on l'a embauché, Albert? Bah, je sais pas, moi je l'ai encore jamais vu. Enfin, ah, si, ouais. Parce que je suis allé le chercher, mais sinon. Ça fait 53 jours. Ah oui? On l'a jamais promu, il est toujours recru. Ah oui? Parce qu'il vient jamais bosser. Au bout d'un moment, c'est bon, ouais. Ça fait plus de 2 mois. Fais pas d'effort. Voilà. Et il y a une question, Calé? Ouais. Et un amigo que vous avez envoyé pour le Belize, il s'appelle Nemesio Aguayo. Qui ça? Nemesio Aguayo. Ah mais oui, je l'ai en contact. Il m'a envoyé un message hier en me disant qu'il avait des problèmes avec les dodos. Oui, parce qu'il a dû faire le dodo pendant 2 semaines. Mais genre l'avion? Il a fait de l'avion? Non, il avait un gros dodo à faire. Ah, d'accord. Et là, c'est bon, il est réveillé maintenant, il est en ville. D'accord. Et du coup, il a dit qu'il avait besoin d'une réflexion. Si, il est un peu compliqué comme garçon, il a l'impression. Mais il m'a dit qu'il voulait travailler au Belize. Ah bah écoutez, moi j'étais partant pour le... Bon, je l'avais pris en stage, bon maintenant on fait de l'intérim, mais je l'avais pris en stage à l'époque. Il est jamais venu commencer son stage, probablement, à cause de ses problèmes de dodo. Si, parce qu'il avait un problème de dodo, mais maintenant il a plus de problème de dodo. Et j'avoue que quand j'ai vu son SMS qui disait qu'il était possible qu'il ait besoin, nécessité, je crois que c'est besoin, oui, c'est ça. D'une réflexion, mais là j'ai pas compris comment le sens d'avoir besoin d'une réflexion. Et c'est vrai. En tout cas, voilà, il a appelé, il lui dit qu'il a appelé si il y a un patron et il m'a dit qu'il passera peut-être. Mais comme il sait qu'il y a un point de départ, il sait pas trop. Ouais. Bon, j'ai fait le truc le moins intelligent possible ce soir, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ouais. Bah, je sors du Belize, j'avais pas vu qu'il y avait la shafter des flics qui sortait en même temps. Ouais. Et ben, je fais ma meilleure roue arrière à 110, et j'entends les gyrophares derrière. Je regarde et je vois une shafter d'une couleur, on va dire, qui a des goûts discutables, allumer les gyrophares derrière moi. Bon, il m'a rien fait, il m'a juste fait un rappel à l'ordre. Il a été très sympa, mais surtout pour aller juste au Weasel, quoi, c'est à côté. Le trajet qu'aurait pu coûter plus cher de... C'est pour ça qu'il faut faire attention. En plus, il me dit, mais c'est de la provocation, ça. Mais non, je vous avais pas vu. Je vous avais pas vu du tout. Si je vous avais vu, je l'aurais pas fait, hein. C'est le truc à dire. Probablement pas. C'est ça le regret. Non, il a été très cool. En même temps, il sort d'une répa, je suis du Belize, je pense que... Du coup, le docteur Ortiz va me faire essayer sa chimera plus tard dans la soirée. Oh, mais c'est super ça! Félicitations! Ah, merci, c'est trop bien. On t'en sent bien. Elle m'avait l'air très sympathique, je me suis dit j'essaye. Ah, t'as raison.
Bon. En fait, c'est quelqu'un qui est allé au truc politique qui vient du Belize. Enfin, je crois tout le monde en vrai. Hein. Alors, bon, il est 27, je vais mettre le Belize en pause histoire que, qu'on se fasse pas assaillir par, ce, par 6 véhicules qui arrivent à 30 piles. Et mon dieu. Et s'il avait mis en pause. Oui, il pensait qu'il y avait. Il pensait qu'il y avait, allez, alors. Ok, ça marche. Vous faites une bonne soirée. Bonne soirée. Et bonne soirée. Allez, bonne soirée. Parce que tu voulais rester là ou parce que j'ai pas compris? Bah, non, il y avait des amigos. Ah, ok, d'accord, ça marche. Et, il avait dit qu'il resterait à 10h30. Ouais. Bah, là, il est 10h30, il est. C'est bon. Bon, bah, de toute façon, on va se mettre en route, hein. C'est pas comme si. Pendant que Denis est en route, voilà. Quelqu'un a besoin de transport? Bah non, moi j'ai pas envie de jouer au cas où. Ok. Vite, t'as quelque chose pour te déplacer? Ouais, mais après on peut faire du covoit, sinon je sais pas si on reste longtemps là-bas ou pas. Ou si on part de faire décaler en fait. Je sais pas du tout. Bah après c'est à côté du Unicorn. Ça va, c'est pas grand okay. Ouais. Je pose la non, mais je vais prendre ma moto, c'est bon. Ouais. Bonsoir. Violette, est-ce que tu as besoin que quelqu'un t'emmène au Unicorn? Bah j'ai ma moto dans le garage du Belize. Okay, je peux la sortir après. Ouais, ouais, ça marche. Après. J'étais en train de rester, j'étais en train de parler avec... Pas de soucis, prends ton temps, hein, y'a pas de problème. Ok. Vous partez toutes là, tous là-bas, c'est ça? Oui, sans doute, oui. On nous rejoint nous quand c'est bon pour toi. Ouais, ok, d'accord, merci. Et bonne soirée, ma maman. Bonne soirée. Et tchuss. Y'a quelqu'un qui reste au Venise ou pas du coup? Bah je pense pas hein. Parce qu'il y a la moto de Aiden du coup qui est restée et elle va se faire prendre par la secondaire. En vrai normalement non, ça devrait aller à cette heure-ci, ça devrait le faire. D'accord, on va croiser les doigts. Bonsoir Marius. Sauf si t'as envie de te relancer. Salut. On verra. ouais, non, pas trop vite. Oui. C'est pas déjà fait. Non, bah non, c'est sûr. C'est vrai qu'il alors, Franck, ça va et toi? Mais tranquille. Bah, alors, moi, Franck, ouais. C'était Miles, ton contact. Eh bah, perdu. Ah ouais? Qu'il soit avec Catherine ou. Ouais, voilà. On va pas plus loin. Arrête-toi au deuxième prénom, c'est très bien. Voilà, très bien. Alors, très franchement, Mike c'était le deuxième sur la liste que j'allais appeler, quoi. Enfin, troisième, parce que j'ai appelé Gab. Ah, t'as appelé Gab aussi? Bah ouais. Ah, c'est
Ah bah non, non, c'est toi qui l'as appelé. Dernier sur ta liste, quoi. Non, et après il y a Emily quand même. Et Kevin. Oui, mais oui, il continue. Kevin en dernier quand même. Non, je rigole. Hein. Est-ce qu'on se met plutôt à l'intérieur ou est-ce qu'on s'installe sur la terrasse? Bah, sur la terrasse, ça peut être sympa, non? Ouais. Ouais. Ça joue pas pour Cester. Après, la question que je me posais, c'est si on se pose pas en terrasse, enfin si on se pose en terrasse, est-ce qu'on va pas être vu et du coup, des gens vont se poser des questions, je sais pas. On peut rentrer, Hugo. Oh, bien sûr que oui. Bon, ils font quoi là? Il est où, lit là? Ah, bah là, du monde. Oh putain, on va être là avant lit, bordel. C'est le bénis en fait, c'est pas lit. Et bonsoir. Et bonsoir. Et bonsoir. Salut. Et bonsoir. Bonsoir. On est arrivé avant lit. Ah. Bon, c'est pas ça. Attends. En fait, c'est le pot de départ, mais sans le pot, quoi. Juste, il est parti. Ouais, c'est ça. Il est juste parti. Comme ça. Il y a Emily qui arrive aussi. Ok. Ok, ça marche. À tout de suite. Ah merde. Ah, et si c'est pas une série, vous savez ce qu'il va faire maintenant? Bon, bah écoute. Il m'a dit qu'il partait en Europe. J'ai pas eu trop plus de détails. Bon, à tout de suite. C'est cool, c'est sympa l'Europe. Ouais. Oui, du coup, Darren ne rejoindra pas. Ouais. Il est mort des amis. Et du coup, ouais, je pense qu'Avery et Aydan. Bah, nous rejoindrons une fois qu'ils sont sortis de l'SMS. Mmh. Ah et oui. Du coup, ça va? Salut, Emily. Bonsoir, Emily. Bonsoir. Il y a un peu de départ, du coup, un truc du genre, c'est ça? C'est ça, ouais. Pour un ancien du Beniz et du G6 aussi, d'ailleurs. Lee. Ouais. Ok. Il est là. Du tout, qui... Ah, bah voilà. C'est lui. C'est lui, il est là. Exceptionnel. Mais du coup, le héros. Du coup, ouais. Le traître. Je sais pour... Mais... Le quoi? T'es sérieuse, toi? Peur. Putain. Ah oui, quand même. On en est là. Ouais. Ouais. C'est beau. Mm-mm. Ah non, mais... Ah, vous êtes déjà servi? Ah bah, pas encore. Ah, attends, et t'as dit qu'il y avait encore des gens qui arrivaient, donc... Ouais, non, elle prend pas tout de suite, donc bon. Ah. Bah, bon, on peut prendre vos commandes, si vous voulez. Est-ce que... Bah, je vais commencer avec un double whisky. Oh, ok. Manhattan pour moi. Alors moi, il faut, je me rappelle jamais de la carte, donc il faut constamment que j'aille la rechercher. Bah, moi je peux toujours aller la rechercher, mais j'arrive pas à lire le violet dessus, donc. Ah. Le violet? Ouais. T'es au unicorn là, hein, pas au TQ, Calais. Oui, je sais, mais il faut que je l'aille chercher la carte. Cela n'empêche que j'arrive pas à lire le violet sur la carte. Après, ça, on peut. Ah, si, j'ai compris. Ouais, non mais... Ou alors on peut faire une version spéciale, comment on dit, colorblind... Daltonien. Daltonien, enfin c'est pas du daltonisme, mais alors, ouais. En fait, bon, je laisse tomber, je vais prendre un Manhattan aussi. Ça le truc, c'est que je suis pas daltonien normalement, c'est ça le problème. Oui, bah c'est peut-être... Ah la fatigue, parfois ça peut... Particulièrement dur à lire. Mais je vais faire un peu les contrastes, les couleurs. Il y a des cacahuètes qui arrivent. Et vous buvez quoi les deux derrière? Ouais, pardon. C'est juste pour savoir. Hein. Moi je vais prendre un double whisky aussi, s'il vous plaît. D'accord. Franck, j'ai ta. Ah non, qui est-ce qui a demandé un. Ouais, moi je vais prendre un sweet punch. Franck, Calais et Franck. Ok, bah Franck. Ouais. Oui. J'ai ton Manhattan. Ah, parfait. On fait la queue pour le Manhattan. Hop. Merde. Ah, ça, c'est le bol de cacahuètes, ça. Ouais, évidemment. J'ai mis. Évidemment, je sais pas combien de temps à me le mettre dans la tête, alors je peux te dire que maintenant le bol de cacahuètes il arrive. Tiens. C'est limite si tu me le fais pas, si tu me le jettes pas la tête. Non, prends ton bol. Prends tes cacahuètes. Prends ton bol. Let's go, merci. Ah oui. Tu
tu as pris quelque chose pour... J'ai un Manhattan pour Calais. Pour Calais, ouais. Ok. Calais, Manhattan. Il y a un double whisky pour Trent. Et Evie. Est-ce qu'on peut dire ce qu'on prend comme ça? Mais je m'appelle Jésus. Regarde, regarde ceux qui copient les goûts des autres. Pas aussi des double whisky. Ah, rien, double whisky. Moi, j'ai pas copié le goût des autres, parce que j'ai juste copié tout court en sachant même pas ce qu'il y a dedans. Oui. Ah, je crois que c'est whisky dans le Manhattan. Double whisky. Oui, c'est ça, il y a du whisky. Et... On dit un truc que j'ai bien dit à tester après, le petit chou de whisky bourbon scotch tequila. Tu finis pas comme pour ton ami, s'il te plaît. Ah bon ? Qui ? Quoi ? Ah mais moi j'ai cru que tu parlais de Lee. Ah non, ça va, moi je fais attention à l'alcool. C'était pas lui de pire. Bah, déjà, c'était pas mal pire. Et de deux, Richie m'a amené à l'unicorn en me disant « Ce soir, on me bourre la gueule. » Donc, voilà. Faut savoir que Stanimir a fait coma éthylique en 15 minutes. Alors, je me dédouane. Je me souviens d'un anniversaire. Vous êtes trompé parce que je vais vous rendre ça. Celui de Richie. Je pense que c'est un individuel. Parce qu'on est à moitié. Ah, qui c'est qui m'a filé son tel? Ah non, mais je sais pas, j'ai reçu un téléphone. Enfin, ça m'embête un peu. Ah, attends, je pense que c'est le téléphone de la dame. Oui. Et j'ai gardé les whisky. Je me dédouane de ce qui s'est passé le soir de mon anniversaire. Qui vous rend qui j'ai le... okay. Quoi? Mais du coup, j'ai le téléphone de qui? De madame. Merci. Bah, Kathleen. Ouais. Kathleen, t'as déjà commencé à picoler? Attends, pas encore. Crois... Ah, pas ça encore. Y est, il est là. Ah, super. Tiens, voilà. Ah non, c'est moi qui l'ai eu. Au secours, rendez-moi mon téléphone. Oh là, t'es déjà bien attaqué, Karine. Ah, attendez, venez par là. Ça ira mieux. Oh bah, à la vôtre, hein, les gars. À la vôtre. Allez, à la vôtre. Eh, franchement, ça va, hein. Le Manhattan, c'est pas mal. Ah, ça se boit bien, hein. Ouais, ça se boit bien, ouais. Je prends. Ah bah, c'est sympa. Ah bah. Bah, je prends celles qui sont pas prises alors. Je sais pas qui c'est qui me fait la facture, mais. Bah, santé à vous, hein. Ouais, santé. Santé. Mais pas des pieds. Qui a payé? C'est moi. Moi, j'ai rien payé. Et de Manhattan. Deux whisky de Manhattan, deux double whisky de Manhattan. Ah, désolé. Oui. Bonsoir, Calais. Oui, bonsoir. Oh, peut-être, je t'entends faiblement. Oui, alors, là, je suis pas au Venise, on est tous au pot de départ de Lee. Au Unicorn. Ok, tu veux que je peux venir? Viens, ne serait-ce que pour en parler, oui. Ok, ben. Allez, à tout de suite, du coup. Evie. Ouais. Oui. J'ai fait quoi de mal, en fait? Pourquoi ce Evie suivi d'un grand silence? Rien, j'ai annoncé au bar que c'était Evie qui avait payé. Hein? Oui, c'est moi qui paye. C'est Evie qui a payé, c'est lui qui paye? Je suis perdu. Moi, j'ai rien payé, mais pas ma conso. J'ai payé ma conso, mais... Tu auras. Et voilà. Merci l'EMS. Pas de soucis. On dirait un verre de bruit de ratio. D'accord, ok, super. J'ai pas payé mon Manhattan, moi. Mais j'ai payé pour tout le monde. Ah, pardon, j'ai pas compris. Bah, du coup, pour Evie qui a déjà payé. Ok. Bah, merci Franck. Pas de soucis. Eh ben, je te remercie pas, Franck. T'as pas été assez rapide. Ah, ouais, bon. Ou toi, t'as été trop rapide, mais ça, c'est un détail. Allez, prochain tour, c'est moi qui offre. Allez. Ouais. Tu vérifies d'abord le compte en banque? Non, pas du tout. Oh. À mon avis, Calais, il a un bon compte en banque, hein, tu sais. Ouais. Et bonsoir. Et salut, Albert. Ça va? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Alors, faites pas attention à Marette. Elle est juste là pour transporter 18 dollars. Ah ouais? Ah ouais? À mon avis, ça marche mieux. On va pas se les voler en tout cas, t'inquiète pas. Ah, mais écoute,
Au moins, tout le monde croit que je suis riche et que je transporte beaucoup d'argent, ouais, mais il n'y a pas 18 dollars. Je crois que la mallette, elle vaut plus que 18 dollars déjà. Ah mais c'est pour ça, je comprends pas, mais bon, tant mieux. Hein. Ok, ouais, écoute. Et du coup, Carré, c'est... je comprends pourquoi tu m'as mis à pied. Hein. Ouais, tu veux qu'on en parle dehors? Ben ouais, c'est possible. Vous voulez pas qu'on se mette sur la terrasse? Ouais, on va se mettre un peu là-bas pour pas déranger parce que si je viens, on peut nous sortir. Si on se met en plein dans l'entrée. Ouais, ouais. Ok, je t'écoute. Bah, c'est suite à mes problèmes de présence. Oui, effectivement. Bah, je vais pas te mentir que c'est un peu compliqué pour moi d'être présent souvent. Mais j'essaie d'être là deux fois par semaine. Après aussi, le défaut, c'est qu'avec le système sur internet qu'on a pour dire les absences, c'est que j'ai l'impression d'être plus, de mettre tous les jours, je ne serai pas présent ce soir. C'est bon. Et il faudrait peut-être mettre un système où on a un planning, chaque employé peut mettre par exemple, je suis présent tel soir. Tu vois, mettre les soirs de présence plutôt que les soirs d'absence. Ouais, c'est vrai que ce serait pas mal, ouais. Bah, parce que moi, je vais pas te mentir, le problème, c'est que la plupart du temps, je sais si je serai en ville ou pas, que 10 minutes à l'avance. Ah oui, quand même. Donc, ce qui fait que j'essaye d'être là au minimum deux fois par semaine, mais des fois, bah, je suis en mode, bon, bah, ce soir, je pourrais pas être là. Et je suis en mode, bon, bah, et quand je vais dans, pour les absences, je vois que le dernier message c'était déjà moi. Donc je suis en mode, je vais pas remettre un message par-dessus mon message d'absence. Ouais, écoute, je comprends, mais ouais, là, ça commence à faire un moment que personne t'a vu. Vraiment personne, quoi. Mais ouais, c'est ça le problème. Bah, la dernière fois que j'étais là. Attends. C'était, oui, mais il y a 6 jours, quoi. Ouais, voilà. Oui, mais c'est ça le problème, tu vois. Je fais mon possible hein, pour être au maximum rapportoyé, mais des fois, ben, je peux pas. Bien sûr, c'est que tous les week-ends, je peux pas. Ça, c'est. Ça, y a aucun doute. Ouais, mais après, tu comprends bien que bon, il y a présence, pouvoir être là les week-ends. Et il y a être absent pendant 6 jours, personne n'a de nouvelles de toi, on ne sait pas pourquoi tu n'es pas là. Oui, ben, oui après, j'avais quand même mis, il n'y a que depuis lundi que je n'ai pas mis de message d'absence. Bah, la dernière chose qu'on a eue, c'était... Normalement, c'était lundi soir que j'avais mis absent ce soir. Non, c'était samedi. C'était samedi? Non, okay. Samedi, j'avais mis absent pour le week-end. Normalement. Non, absent ce soir. Ah bon? Oui. Oh putain. J'ai fait le con. Le dernier message qu'on a de toi, c'est samedi qui nous disait que t'allais être absent samedi soir. Et ouais. Avant ça, ça faisait un moment effectivement qu'on n'avait pas. Le dernier message avant ça de toi, ça datait du 31 août. Ouais. Et entre les deux, bah, je t'ai pas vu du tout moi. Oui. Ben, c'est vrai que les soirs, quand je travaille, je te vois pas souvent, c'est vrai. Ah ouais, mais les autres collègues non plus te voient pas, c'est le problème. Mmh. Oui, ben oui. Ben, je vais essayer de régler ça et de faire que je sois, qu'on me voit un peu plus. Et plus de deux soirs par semaine, je peux pas te le garantir, tu vois. Ah, mais tu comprends que ça commence à être un peu un problème. Oui, ben je me doute. D'ailleurs, ça commence pas à être un problème. C'est un problème. Je sais. D'autant plus que, bon, pendant ce temps-là, on a des candidatures de personnes qui sont intéressées pour rejoindre le Belize et qui pourraient être là tous les soirs ou presque. Oui, je me doute bien. Après, c'est toi qui vois. Si tu veux que je travaille plus, il n'y a pas de problème, vraiment. Bah en fait, c'est-à-dire que ouais, je m'attendais quand même à ce que parler avec toi, ça débouche sur toi qui nous explique un petit peu s'il y avait une raison pour laquelle tu étais très absent ces derniers temps, quoi. Bah, c'est que j'ai pas mal de trucs à régler, quoi. C'est sûr, tout ça.
Une fois que ce sera réglé, ouais, peut-être que je pourrai être de nouveau là, mais pour le moment, c'est compliqué. Ouais. Mais bon. T'imagines bien que c'est un petit peu compliqué quand j'attends une justification, d'entendre, bah, c'est que j'avais des trucs à régler, et peut-être que quand ça sera fini, je serai plus présent, mais peut-être pas non plus. Bon. Mais je peux te garantir deux fois par semaine. C'est tout ce que je peux faire actuellement. Je peux convenir que c'est pas assez. Je te confirme que c'est un peu short quand même. Ben oui. Parce que oui, c'est sûr que y a des gens en ville qui peuvent être là mais quasiment 6 jours sur 7, moi, mais c'est pas possible pour le coup. Ouais. Je vois. Bah, écoute, je te propose un truc entre les deux. Mmh. Pour l'instant, on te laisse à pied jusqu'à ce que tu résolves les trucs que tu as à résoudre. Mmh. Et une fois que tu auras résolu ça et que tu pourras nous dire si tu seras capable d'être plus dispo ou pas, et ben on reverra la situation et on revoit si on te rend en temps plein. Ok, ouais. Parce que bon, pour le coup, je pouvais t'assurer que demain soir, par exemple, j'étais là pour travailler. Pour le début de la soirée. Mm-hmm. Ouais. Moi, c'est ce que je te propose. Que tu me disais que t'avais des trucs à régler. Mm. Pour l'instant, on te laisse à pied, tu règles tes problèmes. Et une fois que c'est réglé, tu reviens nous voir. Et là, bah, si t'es capable d'être un peu plus présent que Denise, bah, on te reprend. Ouais, ok, pas de problème. Ah bah, écoute, ça marche. Eh bien, en tout cas, merci, patron, du coup. Je pense que tu rigoles. Ouais, c'est-à-dire que je pense que ça s'est pas passé exactement comme tu voulais, c'est pour ça que ça me fait rire. Ouais, non, mais je vais pas te mentir, moi, je me prends pas la tête. Je prends la vie comme ça vient. Après, oui. Écoute, si ça, c'est un arrangement qui nous va tous les deux, tant mieux. Bon, ça, on fait ça, et puis voilà. Ok, mais pas de problème. Rien, impeccable. Tu veux le boire en verre ? Oh. C'est moi qui paye. Ah, mais pourquoi pas. Allez. On est sur la terrasse. Okay. Ah, ils sont partis sur la terrasse. Bah non, ils sont pas sur la terrasse. Oui. On est en terrasse. Oui, je suis désolé, j'étais dans la tête. Ah ouais, ça ouais, très profondément, ouais. Parce que bon. Ah mais je crois que l'alcool est monté un peu vite. Ah. Faut boire un truc non alcoolisé. Du coup, la prochaine tournée, c'est moi qui paye. Ouais, c'est bon, on a okay. Chopé tout le monde. Ok, d'accord. Ah non, c'était juste le bénis qui récupérait des gens. Non, mais juste, j'ai vu 3 ou 4 personnes faire des allers-retours en courant. On récupère des véhicules et des gens. Oui, oui. Okay. Surtout non, les gens. T'inquiète, ça va. Des véhicules, comment ça, des véhicules? Eh ben, du coup, des terrasses. Oui, les véhicules, pourquoi les véhicules? Mais ouais, on va pas emmener des véhicules en terrasse, hein. Sur la terrasse. En bas ou en haut? En haut. Ah, en haut. Ah, bah oui, c'est en haut. Ça, hein. Pas. Oh, tout de suite. Et puis pas du tout caché. Il y a un peu plus de monde en haut. C'est calme. Ta valise 18. Je vais te passer un oral, patron. Mais non, non, non. T'inquiète, c'est bon, c'est on va voir si peut-être ma valise va se ranger. Ah mais non. Du coup, maintenant, j'ai une valise pour $17. Impeccable. Félicitations pour la valise à $17. Ah mais... Bonne chance pour ce soir. L'idéal, ce serait peut-être d'avoir une valise pour $1. Bah écoute, tu me donnes $16 et puis on va. C'est peut-être un peu exagéré. Pas évident de s'asseoir, effectivement. Oula. Okay. Est-ce que vous voulez en boire quelque chose? Allez-y, c'est moi qui paye la tournée. Je n'en ai pas contre une petite bière. Allez. Je suis pas sûr qu'il y en ait sur la carte. Ouais, c'est bon, je suis déjà bien. On n'est pas
La bière, la carte, elle est où? Enfin, la bière, la carte. Elle est où, la carte? J'ai pas trouvé la carte. La carte, elle est dans les épinglés du... Du wizard. Allez, ouais, let's go. La carte, c'est la carte. Franchement... Unicorn. Ah oui, je comprends mieux ce que tu voulais dire. Allez, ah, maintenant, du coup, j'ai une valise pour $1. Ah, putain. Le dollar symbolique. Ah, faut que je fasse coucou à Emilie. Ah oui, ah oui, d'accord. Je reviens, je vais faire coucou à Emilie. Ah, vous voulez quelque chose? Votre argent prévu, quoi. Fais juste gaffe quand tu tombes. Fais attention dans les escaliers. Tombe pas dans les escaliers. Ok. Hein. Tiens-toi bien à la rampe. Oui. Attends. Oh là là, qu'est-ce qu'on est tous mal poulés avec ton téléphone. Hop. Eh oui, je regardais la carte. Bah ouais. Quel enfer. Ouais. Mais faut bien, il y a tellement de variétés de boissons disponibles. C'est ça. Par contre, je me demande si les shooters, ils les font comme, comme unicorn en. Je crois pas. Ou si seulement individuellement. Bah après, là, j'avais pris deux shooters, mais ils m'avaient pas proposé les trucs qui étaient au TQ. Ah ouais, quoi. Je crois que moi, je vais me faire un petit grand cru blanc. Moi je vais prendre un Sweet Punch. Et moi je vais prendre un Apple Juice. Moi un Blue Lagoon. Ah le Blue Lagoon il est pas dégueu. Je pense que je vais prendre un Blue Lagoon aussi. S'il vous plaît. Ah moi j'aime pas la vente. Par contre du coup je crois que... Faut envoyer un message. Ah faut envoyer un message. J'avais dit. Oui. Ah ouais. Tu vas dire qu'on avait raconté. Alors attendez. Répétez-moi tous vos trucs. Et j'envoie ça. Tous vos trucs. Assistant, tu leur dis qu'on aimerait commander et... Ah, pour dire qu'on commande. D'accord. Ouais. Oui. Ah, en même temps, si on envoie la commande, on gagne du temps, non? C'est peut-être pas con. Il y a Emilie qui va arriver. Ouais. Ah bah. Ah, elle arrive. Ok. Comme quoi, il faut juste arrêter de s'en patienter. Elle termine un truc. Ouais. Faut juste demander. Wow. Par contre, là, on a plus de siège. Est-ce qu'on a du monde qui arrive ou... Farce Péric, non? Sinon, bon... Après, il va s'asseoir sur la table. Pas très bien, Albert. Mmh. Wow. Ah, de toute façon, quand on va commencer à boire, on pourra se mettre un peu debout. Mmh. Ah oui. Je vais envoyer un bon rétablissement à Aiden. Ouais, parce que du coup, il s'est passé quoi? J'ai pas tout compris. Là. Bah, il est parti en intervention avec moi. Ouais, mais il s'est pas attaché. Et sur la route, a priori, il a eu un souci et du coup, je l'ai perdu en route. Ok. Et bon, ça va, il va quand même bien. Bah, apparemment, oui, ça va. Parce que je pensais qu'Alec a eu le SMS. C'est un doc qui m'a appelé. Mais ouais, le médecin m'a juste dit qu'il était, en fait, c'est qu'il était soigné, qu'il avait pas de soucis et qu'il appellerait son frère dès qu'il serait prêt à sortir de l'SMS. Bon, oh, Lisa, ça va pas te faire bizarre de quitter l'île? Quand même, bah ça va se faire. Je retourne en Europe, là je dois passer en Allemagne, puis je retourne en Royaume-Uni. Ok. J'ai l'impression que t'as pas fini de te balader. Ouais, ouais, ouais. Effectivement. N'oublie pas de prendre des photos. Ah oui, c'est ça, profitez. Après, franchement, ça va quand même un peu manquer l'île, car ça fait depuis février que je suis sur l'île. Mais t'arrives en même temps que moi? Ah ouais, en même temps que nous, dis donc. Ah ouais, c'est chaud. Non, je sais, je me rendais pas compte. Alors, après, en même temps, j'avoue que bon. Je me suis pas rendu compte de grand monde avant le mois de juillet, juin juillet. Donc, ah oui! Jusqu'à temps que je me décide de sortir un petit peu du bénisme.
Non mais après sinon je voyais bien des gens, mais des employés, quoi. Enfin des collègues, des amis du bénis quoi. Mais bah, tiens, c'était pas celui qui sortait le plus quoi. Ok, c'est monsieur Demreuil quelque chose à boire? Oui s'il vous plaît. Ok, eh ben dites-moi tout, je note. Alors, moi je vais vous prendre un grand cru blanc du domaine de l'Aube. Ok, un grand cru blanc. Un Blue Lagoon. Un Blue Lagoon, ok. Est-ce qu'on peut prendre un apple juice. Un apple juice? Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut prendre un manger ou pas? Bah, on fait des wraps ici. On a des wraps au saumon, wraps. Wrap au chèvre chaud, je sais, wrap à la mince de poulet ou wrap au bœuf haché avec piment vert, rouge et tout ça. Je vais prendre un wrap au chèvre chaud, s'il vous plaît. Oui, un wrap chèvre chaud. Alors, deux wraps chèvre chaud, ok. Un Blue Lagoon pour moi, s'il vous plaît. Un deuxième Blue Lagoon, ok. Un Sweet Punch. Un Sweet Punch. Quelque chose d'autre? Ah merde, j'ai perdu le nom. Putain, ce que je prends tout le temps en soft là, un apple. Apple Jack? Non, apple juice. Apple rose. C'est apple rose, oui. Ah. Ça. Alors un deuxième apple rose. Et avec un wrap poivron. Celui au bœuf piquant, voilà. Ce qui vous avait plu la dernière fois, qui vous avait fait de l'œil. Ouais, ok. Exactement. Ça marche. Voilà. Et c'est vous qui payez pour le tout. C'est vous qui payez pour le tout. Ok. Alors, du coup, je résume juste un grand cru blanc, deux Blue Lagoon, deux Apple Rose, deux wraps chèvre chaud, un Sweet Punch et un wrap au bœuf. Ouais, ça me semble correct. Ok. Et eh ben, je reviens avec tout ça. Ça marche. Et... Merci. À tout de suite. Quelqu'un quoi? Je disais impeccable. Ah, oui. Impeccable. Impeccable de front. Et du coup, lui, tu retournes au Royaume-Uni pour. J'aurais pas mal d'affaires personnelles. Et après, profiter un peu avec ma soeur. Mmh. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est important de famille. Hein. Mmh. Ça me fait du bien de vous croiser. Ouais, ça va faire du bien. Ouais, ça serait plus de vous retrouver. Ouais. J'ai sorti ça, vous croiser, comme si... si vous alliez juste voir au passage dans la gare, et puis voilà. Bah, écoute, je ne suis jamais allé en Angleterre, je sais pas comment... trop à quoi ça ressemble. Déjà, ça roule pas dans le même sens qu'ici. Je sais qu'il... Il pleut pas tout le temps là-bas. Quoi? Il pleut pas tout le temps là-bas. Ouais. Moi, ça me dérange pas, force. Ah, tu vas devoir boire du thé maintenant. Habitué au temps. Qu'est-ce que ça dit, Evie? Tu vas boire du thé. Bah, j'en buvais déjà. Tu vas boire ta... Comment fait-il? Ah, ben, dans 5 collègues avant, Oliver, qui venait aussi au Royaume-Uni. Et à chaque fois, il arrêtait pas de nous défendre. Je sais pas. De nous défendre à fond que non, le temps là-bas est pas exécrable. Toi qui habites là-bas, dis-nous ta vérité, Lee. Est-ce que le temps est aussi pour ça? Il pleut souvent. Et pas autant qu'on le pense, mais quand même souvent. Ouais. J'ai un jeu si ça vous tente. Mm-hmm. Ouais, quoi. On doit dire. Allez, un mot. Et on doit deviner de quel pays on parle, en gros, en un mot. On doit tout dire sauf quelque chose de géographique. D'accord. Okay. Vas-y. Ok. Bon, tiens, mais je commence, je fais très simple, comme ça, pour commencer. Baguette. France. Voilà. Alors, bah, je suis là. La personne qui a dit en première peut continuer. C'est moi. Ouais. Bougez pas. J'ai votre grand cru. Ouais. Oui, là, oui, pardon, je trouvais pas. Voilà. Merci. Alors, maintenant, il faut que je me souvienne de ce que tout le monde a dit. Qu'est-ce que vous aviez, monsieur? Blue Lagoon.
Le Blue Lagoon, ok. Voilà. Si vous voulez, j'y vais. Non, il y avait un wrap et ouais. À boire, c'était un Blue Lagoon. Non, c'est pas un Blue Lagoon. Ah, oui, un appel rose. Oui, l'appel rose, c'est vrai. Hop, il est là. Voilà. Pour vous, c'était également un appel rose, si je me trompe pas. Ok. Hop, hop, hop. Merci. Ah, ça va être un peu plus compliqué maintenant, mais ça le fait. Attendez. Voilà, ouais, j'ai répondu au... Faire retour. Voilà, nickel. À peu près. Du coup, un sweet punch, je crois, pour vous. C'est ça, ouais. Ok, hop. Et le deuxième Blue Lagoon, si je me trompe pas. C'est ça. Ouais. Et il y avait quelqu'un, oui, qui avait quelqu'un qui avait un wrap aussi au chèvre. Ah oui, le wrap au chèvre. Ah oui, il y avait un wrap au chèvre pour vous. Alors, attendez, ça va être un poil compliqué, mais ouais. Alors, je oui. Attendez, je pousse mon cul. Merci. Oui, mais comme ça, c'est compliqué. Ah non, ça le fait. Nickel. Alors, je comprends vite, mais il faut me laisser un peu de temps. Hop. Il y avait un truc à boire ou pas du tout pour toi, Violette, je sais plus. Je sais pas. Mais je veux bien une bouteille d'eau. Je crois pas qu'elle ait pris. Ah, bah j'ai pas pris de bouteille d'eau avec moi. Mais non, du coup, si t'avais rien commandé. Oui, non, t'avais rien commandé, je crois. Ouais. Bah, du coup, hop. Merci. Désolée de vous avoir invité, je retourne. Et le dernier wrap que j'ai oublié tout à l'heure. Oula. Et puis, il est là. Et du coup, la facture, c'était pour vous, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, bougez pas. Cette facture-là, je suis bien content de pas la payer, tu vois. Je fais juste le... Oui. Alors, vous pouvez pas. Et, du coup. Bon appétit. Bon appétit. Le tac, le grand cru. Je fais juste le tac que je lui fais. Joyeux Halloween. Et bonne année. Hop, et hop, hop, hop. J'ai une erreur là. Tac. Ça vous fera. Ouais. Tac, 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 360. Voilà. Ça va, c'est juste la préparation d'une sportive. Exactement. Ça le fait. Ouais, et bien, du coup, merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Et bien, à tout à l'heure. Bonne ouais. Santé. 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 Mais pas les pieds. Et santé. Mais pas des pieds. Évidemment. Et merci, Calais. La santé des pieds. Merci, Calais. Avec plaisir. La santé des pieds, c'est important aussi, mine de rien. Oui. Bon, du coup, Violette, c'est à ton tour. Hein ? Ah oui. Pour le pays. De quoi ? Le pays. Oula. Faut que tu dises un mot et on peut dire ce qu'elle pisse. Oula. Ah ouais. Ah, plus dur. Beaucoup plus dur. Quoi ? Beaucoup plus dur. Guinness. L'Écosse. Non, l'Irlande. L'Irlande. Oui. Joli. C'est un peu simple pour moi, je suis irlandais. Oui. Ah bah dans ce cas, effectivement. Tu feras gaffe, lui, t'as fait tomber ton téléphone dans ton verre. Non, attends, ça. Attends. Tu pars avec un avantage, du coup. Ouais, un petit avantage. Attends. Pas évident de s'asseoir sur ses fauteuils, quand il faut. Oui. Alors du coup, à toi. J'ai envie de dire... Attends, je suis en train de réfléchir à quel pied je peux prendre. Ça fait bizarre d'avoir des couleurs normales. Quoi ? Comment ça ? Enfin, je suis débourré, quoi. Ah! C'est bon, j'ai trouvé. Oui. Aurore boréale. La. Groenland. Non. Bah non, c'est pas un pays. L'Islande? Canada. Oui, ok. Ouais! C'était quoi? Islande. Islande, ah oui, bah oui, l'Islande, oui. Réfléchis. Ouais, fais gaffe, ça fume au-dessus de la tête. Un peu, je réfléchis. Moi j'ai une idée, mais je pense qu'elle est un peu compliquée.
Est-ce que je peux dire deux mots si c'est un même, une même signification que ça n'a pas de sens séparé? Vas-y, vas-y. Chirurgie esthétique. Turquie. Non. Corée du Sud. Oui. Oh, bien, ouais. Bien joué. Ah ouais. Et ouais. D'accord. Alors, j'ai pas plus cliché. Spaghetti. Italie. Ouais. T'étais pas ouais. Ouf. J'ai pas ce genre de réflexe là, moi. Ah putain, quand ça parle de bouffe, moi. Attends, moi, j'ai pas le monde de réflexe là. Alors. Et tu as deux points pour Violette en fait. Ah oui, c'est deux points pour Violette, oui. Ouais, ouais, deux points pour Violette. Alors, c'est d'où vient le mot, c'est ça, ou d'où... Non, non, tu dis un mot qui fait penser à un pays, et nous, on va deviner quel pays c'est. D'accord. C'est vrai qu'on parle de bouffe, mais ça peut être autre chose. Ouais, Un plan... Turquie. Ouais, pour les cheveux, ouais. Ah, pour les cheveux. Un vent populaire. Mm-hmm. Wow. Ah ouais. Ça les fouiller loin là. J'ai cru que tu disais un plan, genre une carte. Ah bah non. Non non, c'est un mot. Oui. C'est pas difficile. Ah ah. Oh, j'ai le prochain truc. Oh, j'ai. Je réfléchis, j'ai fait un truc un peu plus dur que ce que j'ai fait pour le moment. Pour le moment, j'ai dit baguette et spaghetti, donc. Ouais, c'est ouais, c'est facile. Ouais, ouais, un truc un peu plus. Pourquoi j'ai pas... Bon, ça sera très simple. Tenez-vous prêts et prêtes. Mmh. Roulement de tambour. Kangourou. Australie. 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 Ah, moi, je l'attribuerai à Calais, quoi. Oui. Ah, mais Calais, je l'ai même pas entendu. Je crois qu'on l'a dit en même temps, en vrai. Vas-y. Vas-y, Calais. Pyramide. Égypte. Égypte. Putain bordel. Je crois que c'est vrai. Tu m'as volé mon mot, toi. C'est qui qui a eu mais quand t'as dit pyramide, j'étais dans le drap. Quand sexe des pyramides. Ouais, je crois que c'est pour Violette. Mon cerveau, il a bugué. Ansel. Gretel. C'est pas un pays. Du coup, ça doit être l'Allemagne. Ah. Incroyable. Merde, c'est à moi, du coup. Mais ouais. Et oui, c'est à toi. J'avais pas prévu ça. Allez. J'avais pas prévu de gagner, MDR. Ah ouais, ouais, non, clairement pas. Attendez. Attendez, ok, j'ai Petra. Oh putain, Petra. Ah ouais, c'est compliqué d'un coup. C'est en Afrique, ça, non? Irak? Mexique? Je sais pas. Jordanie, je crois. Petra, c'est quoi, Petra? C'est une des merveilles du monde. Oui. Ah ouais? Ah bah ouais. And... C'est pas Jordanie? Et si, c'est ça. Ah, bien joué.
Et oui, École Play, on fait un... Le groupe Call Play a fait un concert là-bas qui est super. Il y a un super live. D'accord. Je sais vraiment. Non, pas du tout. J'en ai un qui est un peu piégeur. Je vais voir si vous allez arriver à passer le piège. Si je dis démocratie. Là... Congo. Congo. Non. J'aurais dit la Grèce. Oui. Pas mal. J'ai dit démocratie. Démocratie, ah oui, bah oui, Grèce. Ouais. Merde, j'ai encore gagné, Kevin. Comment il s'appelle déjà? Qui ça? Bah le mec qui a inventé entre guillemets la démocratie. Je crois qu'il était pas tout seul. Oui, il était oui. Plus tard, ouais. Ça a commencé par un P, je crois. Je sais plus. Platon. Est-ce qu'on a le droit de refaire des pays qu'on a déjà fait, mais du coup avec des mots différents? Non, pas Platon. Moi, je vais devoir vous lâcher là. Je dois aller voir quelqu'un avant de partir. Okay. Oh non. C'est bientôt l'heure de mon vol. Ah. Je vais rejoindre quelqu'un aussi. Moi. Bah, des bisous, des bisous. C'était un super plaisir de t'avoir avec nous au Bénice et de t'avoir là ce soir. Ouais, mais c'était un plaisir d'être au Bénice aussi. Merci d'avoir passé du temps avec nous et puis d'avoir pris le temps de faire une petite un petit pot de départ avec nous. Bah ouais, complètement. En tout cas, t'auras toujours une place sur le mur du pénis. C'est ça. T'auras toujours une place pour nous. Merci d'avoir passé, d'avoir fait un petit peu de. Passer un peu de ta vie avec nous, c'était super sympa. Au plaisir de te revoir. Peut-être un jour. Ouais, c'est ça, si on se revoit un jour. Et puis, bon courage. Hein. Merci. Bon courage, bisous. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à vous. Bon vol et bon voyage. toi aussi, tu veux qu'on te souhaite un bon voyage? Après, c'est pas le même genre de voyage, Franco. Non, mais oublie pas la ceinture. Allez. C'est important d'être protégé et sécurisé. Oui. Bon courage à vous. C'est ça. Bonne soirée. Oh, bah, ça, sors tes couverts, c'est important. Sors couvert, Franck, bonne soirée. Calais, vraiment. Je t'apprécie beaucoup, Calais. Hein. Tu laisses ma route là-bas. C'est partagé, Franck. C'était à qui de faire deviner du coup? C'était à moi. À toi. Mais on va pas tarder à retourner bosser, non, du coup. Ouais. Moi, je pense. Mais moi, j'ai toujours une idée de mot. Okay. Mais vu que je n'arrive pas à gagner, je n'arrive pas à le dire. Okay. Allez, vas-y, fais ton mot. T'es à Ramante. Attends, répète. Aramante. Ah non, moi j'aurais dit genre Maroc ou un moi truc. J'aurais ça. Dit, c'est ça, c'est le Maroc. Ouais, j'aurais dit effectivement Maroc ou Algérie. Ouais. Le Maroc. D'accord. Ou là-bas, mais. Les gens boivent énormément de aramante. Ouais. Bah c'est bon, t'as la menthe. Ah bah oui, c'est trop bon. Je sais pas pourquoi on en fait pas plus ici. Parce qu'il y a pas assez de Marocains ici. Il n'y a pas forcément besoin de Marocain pour faire comme ça. Non, c'est vrai, oui, pardon. Ah. Bon, je crois que le devoir nous rappelle, hein. Ouais. Allez, on est reparti. Pareil, bande de reprise du boulot, du coup, ouais. Mmh. Eh ben, merci, hein. Merci, bon courage, Albert. Bonsoir, merci. Tu dois faire attention avec ma mallette et mes 1$. Bah oui, attention, t'es 1$, surtout. Ah, bah oui. Et bon courage, t'as besoin de. Bonne soirée, merci beaucoup d'être passé. Oui, bonsoir. Bah, j'ai plus de moto. Bonne soirée. Enfin, ah, mais je peux te ramener. Je l'ai laissé là-bas, ma moto, en fait. Bonne soirée, monsieur Baron. Bonne soirée. Merci. On m'a accompagné ici, donc. Bah, j'arrive, je te ramène. Ok. Faut juste que je passe aux fringues. Ok, c'est à côté. Ouais. Donc, allez. Merci. Pas de soucis.
Et voilà. T'es calme. Je suis désolé, le docteur Lobby m'avait enlevé. Ouais, j'ai vu ça. Pas de soucis, écoute. J'arrive, je récupère un casque et j'arrive au bénéfice. Ouais, un peu calme, t'inquiète, on s'est juste se barrer pour retourner bosser, quoi. Voilà. Mm-hmm. Et quelqu'un a fait tomber ma moto, je retrouvais le coupable. C'est pas moi, voilà. On est arrivé, elle était déjà comme ça. Ouf. Ah, je mettrais de mauvais gueule. Surtout à cette vitesse-là. C'est pas sympa le point de départ. Oh ouais, ça fait plaisir. Allez, je te laisse descendre, je vais la garer. Ok. Et bonsoir. Et bonsoir, Calé. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va, vous? Ouais, super. Va. Est-ce que les gens chez toi, ils ont pensé à noter ou pas la semaine dernière, du coup, les passages qu'on faisait pour savoir à peu près notre fréquence ou... Alors, attends, je vais dire ça tout de suite. Je vais regarder la feuille de présence. Je dirais que oui. Ok. Parce qu'on a quand même recensé 27 passages, donc je pense que oui. Ok. Nous, ce qu'on prévoyait de faire, du coup, au niveau d'un contrat... Et les deux autres ont besoin de réparation. Déjà, du coup, là, pour 27 passages, ça semble correct. Merci. Je pense qu'on fait un contrat là-dessus. Peut-être pas forcément excessif, mais ça va. Alors, il faudra que tu me dises. Mais nous, on pensait mettre deux Comet Safari. Ok. Deux Caracara. Ouais. Il y avait quoi d'autre? Un Huntley S. Un Huntley S. Ouais, c'est un SUV. Ça, je sais pas si on a vu passer. Si. C'est celui de M. Kaminski. Oui, d'accord. Je le vois. Une Nakuchu. Ok. Putain, il a quoi, Dean, comment ça s'appelle? Le... Stretter. Un Stretter, ouais. Et c'est tout, moi, mon Akuma, c'est bon, je la sors plus trop. Tu dis pour l'Akomoda, c'est ok? Ah oui, l'Akomoda, c'est Akomoda vrai. Aussi. On a vu l'Akomoda passer aussi. On a vu aussi Nora qui est une Rebla, mais bon... Ouais, mais ils sortent pas souvent. Le Rebla, je sais pas, tu veux ou pas? En fait, globalement... Ce que vous comprenez, c'est que vos véhicules qui partent sur le contrat, si vous voulez qu'on fasse de la réparation quand même, il n'y a pas de souci, on peut le faire. C'est juste une question de intégrer, on va dire, un surplus dans la partie assurance, quoi. Pour vous donner un exemple très simple, même sur le contrat de Mistral, il n'y a pas absolument tous leurs véhicules. Ouais. Mais les véhicules qui sont pas sur le contrat, ils sont dans l'assurance. Ok. Donc avoir en fait les véhicules que vous sortez, pas seulement les plus souvent, mais disons ceux qui sont susceptibles de venir en une devenir soirée. Devenir le plus souvent. Et surtout, merci beaucoup. Vous m'avez dit voilà. Deux comètes. Est-ce que vous pensez elles vont sortir, elles vont venir toutes les deux un même soir? Est-ce que c'est possible qu'il y ait les deux comètes un même soir? Ivy. Oui. T'as un truc à manger ou pas? Oui, je pense. Enfin, ça, oui, c'est plus fréquent d'arriver. Merci. Pas de soucis. Ouais, ok, alors, à l'époque, on avait noté SUV Huntley. On laisse le Huntley? Ouais, parce que M. Kaminski est pas là tout le temps, mais il est souvent avec, donc il est susceptible de venir souvent avec. Ok, on avait noté, donc, vu que les deux qu'on a Safari, on avait un Elion. Non. Ok, j'en ai ça. Vous avez un off-road, c'est le Caracara. Ouais. Ouais. Caracara, vous m'avez deux. Ouais, on en a deux. Ouais. Pareil, vous pensez qu'il sortirait deux une même soirée? Oui, ça arrive. En vrai, ça arrive souvent. Que...
Oui, mais qu'ils viennent à deux au Bénise, c'est pas si souvent que ça. Ouais. Ça arrive des fois, mais... Donc en vrai, non, un seul, tu peux mettre un seul. Ok. En moto, vous m'avez dit la Kuchu. Ouais. La Kuchu, ouais. Moi, j'ai une Akuma, mais elle ne sort pas de ouf, donc... Ok. Et après, vous m'avez dit la Komoda, le Strator... Ouais. C'est tout. Ouais, ça fait combien je déjà crois. Alors, actuellement, je rajoute du coup pour. La Komoda, c'est une sportive, le Strator, c'est un SUV. Mmh. Ouais. Ouais. Donc, du coup, là, on en a une seule. Voilà. Après, il faut voir aussi ce que vous voulez inclure comme dommage. C'est-à-dire à quel point elles viennent généralement abîmées. Je sais pas si ouf, ça arrive souvent. Globalement, nous, ce qu'on a pour les comètes et sur les sportives, c'est quand même que la plupart du temps, quand vous passez, ouais, elles sont défoncées. Bah, en termes de vitres, optiques et carrosserie, oui, mais sur la, c'est surtout les moteurs qui coûtent le plus cher sur les sportives. Ouais, ouais, ouais. Et les moteurs, en général, ça va. On a recensé deux moteurs qui avaient dû être changés sur des sportives, sur une voilà. Dizaine de passages. Ouais. Un Yuga yes. Tubo, je crois. La facture, c'est qui la prend Je sais pas, ça dépend lequel, mais ça va être moi ou ouais, et IG de toute façon, donc je vais prendre la première. Mm-hmm. Ok. Non, bah, c'est juste 80. Et nickel. Merci. De rien. Ouais, du coup, ce que je vous propose, c'est d'assurer un avec moteur, mais pour une seule des trois sportives. Pour faire à peu près, en gros c'est pour avoir un prix logique ou pour les moteurs que vous nous faites remplacer, mais en même temps pour pas vous faire pour pas compter qu'on vous remplace un moteur par soir parce ouais, que c'est, pas c'est quoi cette bagnole. Ok, on va partir là dessus peut-être la Komoda, je ne sais c'est pas, faut un Kaivi. En vrai peu importe la casser ouais tu t'en fous okay. Oui. Vas-y, bah, oui, mets sur la commande. La mienne, quoi. En vrai, une fois qu'on a le montant du contrat et qu'on a négocié qu'on a le montant logique des réparations qui nous convient à nous, qui vous convient, enfin, qui vous semble correct, et qu'on a négocié l'assurance, la question de quel véhicule sont dessus, bon, normalement, ça sera que ça soit pour couvrir à peu près tous vos véhicules voilà. Et que vous n'avez pas besoin de payer certaines factures et pas d'autres. Quoi. Ok, ok. Vas-y, coup... on parle dessus. Ça fait du coup. Ok. Caravera Akuchu et. Non, c'était pas un Avoy, c'était le SUV de la Strator. Le Strator, ouais. Ok. Je mets ça. Désolé, c'est un peu vrai. Ouais, pas de soucis. Mais du coup, pour le SUV, pareil, on part sur une vitre optique comme pour les autres. C'est du classique. Ça fait une moyenne. Entre les moments où vous nous les ramenez avec une seule, vous pétez, et nous les ramenez avec tout défoncé, ça fait une moyenne. Donc, comment j'ai fait ça? Ok, alors, je retire ce que j'ai dit, je pense qu'on va passer le moteur. Les moteurs sur l'assurance plutôt. Ok. Parce que là on se retrouve avec un prix de
sur le contrat 5 jours qui est quand même très élevé. Donc je pense qu'on va plutôt vous basculer une réparation de moteur sur l'assurance, mais du coup monter un peu l'assurance. Ok. Ça vous fera un prix plus raisonnable, parce que là du coup sinon on part sur la réparation de la Komoda, de n'importe quelle sportive, mais une sportive sur les 3, qui est à plus de 1000, et ça tabasse. Ouais. Donc du coup... Ouais, on trouve qu'une assurance à 2750, c'est pas de ouf. Il y a des calculs bizarres des fois. Oh là là. Nickel. Ok, donc du coup, on se retrouve avec juste la réparation. Ce plaisir de ne pas payer, c'est incroyable. En réparation, ce qu'on a pour que ça soit à peu près cohérent. Il me reste 700 balles sur mon compte. On est sur du 12 740. Ok. Ok. Et à raison de. C'est simple, hein, on vous a changé deux moteurs sur la semaine. On va partir sur cette moyenne-là. Donc du coup, en comptant 1500 de moteurs à la semaine, en rajoutant un petit peu pour les éventuels autres véhicules, que ce soit votre commun que vous n'entendez pas souvent, l'oracle, quoi que ce soit. Et donc du coup, après, est-ce que vous êtes intéressé pour ce que vous êtes intéressé, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse des, que vous nous appelez pour faire des réparations générales, disons. Ça peut être cool de faire ça de temps en temps, ouais. Ok. Et du coup, après, plus la question des déplacements. De l'assurance au déplacement pour pas payer le cargo vol quand on vient vous chercher le mobile. Ça fait mal. Ouais, ben on peut prendre ça aussi, ouais. Là oui, c'est il est pris en charge. Ok. Câble. Et bah du coup, je vous propose un contrat à 16 000. Eh ben on part là-dessus. Let's go. Voilà, voilà. Et bah c'est ça. Nickel. Je vous envoie le devis. Donc ça nous fait 12 700 de réparation et 3300 d'assurance entre les moteurs, les autres véhicules, la réparation générale et les déplacements. Ok. Nice. Alors l'ancien contrat, je l'avais fait envers monsieur Vincent. Cette fois, je vous fais. Ouais, fait à moi directement. Ouais. Impeccable. Et ben. J'espère qu'il va se faire dessus pas dans 15 minutes. Sur votre dernier véhicule, il a déjà été réparé ou c'est parce qu'il ne fallait pas faire des choses dessus? Non, je crois qu'il était réparé, le caractère. Ouais. Bah ouais, écoutez, j'attends que le devis se crée automatiquement et après je vous l'envoie. Ok, bah on fait comme ça. Je pense qu'on commencera à partir de la semaine prochaine. Ouais, pas de souci. Et puis, voilà, je viendrai lundi et puis on vous parle là-dessus. Parfait, ok. Eh bah vas-y, bonne soirée. Okay. Bonne soirée. Oula. Tiens, Evie est partie. Je sais pas si elle est partie ou si elle est peut-être en custodie. Bah non, y'a personne. C'est mort. Bah écoute, ouais, soit elle est partie, soit elle s'est peut-être fait kidnapper à nouveau. Ah! Parce que tout à l'heure, ouais.
tout à l'heure, c'est ce qui est arrivé. Donc... Ah oui. Bon, c'est genre. Il y a Léon qui voudrait une custo. Ok. Voilà. Et ben allez. Tu peux voir comment on fait ? Ouais, ouais, bien sûr, je peux regarder. Et puis... Et bonsoir. Et bonsoir. Vous voulez une custo ? Allez, s'il vous plaît. Allez. Je vais maintenant regarder comment ça passe. Ah, vous avez une fenêtre qui est trouée. J'ai fait. Oui, non, je vais voir. C'est un jeu de lumière. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse? Ah, il me faudrait un changement de klaxon, s'il vous plaît. Ok. Il me faudrait le trombone triste. Bien sûr. Quelque chose d'autre? J'aimerais savoir combien ça coûterait si je la mettais en full custom. Ok, alors je vais faire le devis. Avec ou sans le turbo? Sans le turbo. Sans le turbo. Alors. Sans le turbo. Excusez-moi, j'ai eu une erreur. Oui. Sans le turbo, ça fera donc 42 080. Ok, ça marche, je le garde dans un coin, je vais le noter. Voilà. 42 000. Et bah, du coup, ce sera tout. Ok, ah. Juste le trombone donc? Ouais. Le klaxon, je... Mais non. C'est bon. Alors du coup ça fera 585. Ouais, ça marche. Ouais. Et voici. Pas moi qui ai reçu la facture. Ah, bon, attends, on va s'en charger après. On peut la payer si tu veux. Oui, ouais, alors attends. Aussi. Ok. Du coup, 585. Ouais. Et voici. Et c'est tout, merci. Merci à vous. Et bonne soirée. Bonne soirée. Je te laisse me suivre. Bonne soirée. On va aller récupérer tout. Oui, bonne soirée. En plus, il faut que je perde de sang. Ouais. J'en profiter pour prendre à boire. Voilà, 585. C'est ça. Merci. Avec plaisir. Je suis pas obligé de le faire. De. Bah, de me rembourser. Pas de problème. Par contre, ouais. Il faut que je retire. Bon, en vrai, j'allais pas te faire payer une facture supplémentaire inexistante et ne pas te rembourser. En vrai, j'allais pas te faire payer une facture supplémentaire inexistante et ne pas te rembourser en plus. Quand même.
C'est pas faux. Après, ça va pas. Après, les gens vont lancer des rumeurs comme quoi le Beniz extorque ses employés. Oh non. Je préfère éviter ça. Bon, alors du coup, normalement, reste sous contrat, plus besoin de noter. Ah, ça y est. Ouais. Et Red Souls aussi sur ce contrat. Ah non, pardon. Là, maintenant, reste sous contrat à partir de lundi. D'accord. Pas à partir de maintenant. Et Red Souls, par contre, ils sont déjà sous contrat. Je suppose que maintenant qu'ils sont sous contrat, il faut que je fasse un effort pour retenir leur nom. Alors, il y a Ivy, Zo et le dernier, le chauve, là, je sais plus qui c'est. Non, je parlais même pas de leur nom personnellement, je parlais du nom de leur groupe. À ce point ? Oui. Ah ouais. Bah, la main noire, quoi. Oui. Ah non, je parlais de Red Souls, pas de la main noire. Ah. Bah non, ça va, mais... Ouais, mais il est rentré entre temps. Bon, bah, c'est parti. Si, c'est ok. Ah, oui, okay, vas-y. Il a eu un petit souci, le camion. Allez. Et bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Bonsoir. Bonsoir. Alors. Yes, c'est moi. Alors, je peux vous la dire de manière exacte, hein, si vous voulez. On va voir ça. On va à l'étage. Ok, il n'y a pas de souci.
Alors, je vous redis ça. 39 640. Ah, yes. Ah, je crois que j'ai un ami qui m'appelle, faut que j'y aille. Ah, ben voilà. Est-ce qu'il peut avoir un petit dédommagement avec ? Pour la gêne occasionnée ? Ah, vous savez, ça a été compliqué de traîner avec cette facture-là. C'était... Ah, c'était très très lourd à porter. Hein. Non, je te laisse, c'est bon. Ah non mais les sévices mentales que j'ai subis suite à ça, ça a été... Les médicaments ont coûté facilement $2000. Ah ça a été... Bon allez, j'accepte les 100 balles. Et une pizza. Bah j'ai la dalle. Vachement grand votre bureau. Ah, j'imagine que en plus être patron à 100 balles, ça doit être une broutille. J'ai crevé la dalle à ce rythme là. Allez, 100 balles, un cupcake et une bouteille d'eau. Génial, merci beaucoup. ravi d'avoir fait affaire avec vous. Merci à vous aussi. Vous avez coupé de qui? Monsieur de la police, je pense, du coup. Oui, déjà de retour, ouais. Écoute, tu nous manquais. Bonsoir, qu'est-ce qu'il vous faut? Je pense que c'est rentable d'être revenu pour voir la plus grande. Allez, il y a un pneu crevé. Il manque deux portières. C'est le voyageur. Ah oui, il y a beaucoup de travail. Oui, bonsoir, monsieur Morin. Vous avez de la chance qu'il y ait un Gunzra, parce que ça vous a écouté chien. Comment? Mais vous avez rencontré un éléphant? Pardon? Vous avez rencontré un éléphant? On a rencontré un éléphant sur la route. Oui, ça marche, merci, monsieur Morin. Oui, parce que la voiture, elle est... Ah, mais merci et bonne chance. Ah, bah vous savez, là, ça fait une demi-heure qu'on roule à 20 km/h, c'est insupportable. Thank you.
c'est mon poule, une voiture, c'est une épave. Non, ça va, tu verras, tu verras bien pire que ça, tu verras. Si. Oui, il va récupérer des câbles aussi, parce que... Merci. Ah, dis-moi, Calais, je pourrais te parler après? Ah ouais, bien sûr, pas de soucis. Alors, dès qu'il y a un petit moment de creux. Oh ouais. Dans l'autre sens, le véhicule, s'il te plaît. Ça, j'aurais dit devant. Non, je déconne. Daryl, dans l'autre sens, le véhicule, s'il te plaît. Je crois qu'il a mal entendu, là. Écoutez, pour parler en espagnol, monsieur Moran. Non, pas besoin. Vous croyez ouais, ouais, ouais. Le véhicule de police, s'il te plaît, Daryl, dans l'autre sens. Ah, il a pas entendu. Ah, c'est bon, il a entendu, c'est bon. Alors quel bon véhicule, qu'est-ce que j'ai bêtisé encore ce que... Alors j'ai fait des erreurs. Non mais il y a quelques temps déjà. Mais, ah, j'ai fait certaines erreurs, j'ai deux erreurs exactement. Ça serait dommage de les reproduire. Oui. C'est assez, j'ai l'impression ce serait bien d'apprendre de ses erreurs. Merci, au bout d'un moment. Ah, voilà, j'ai l'impression que l'achat de deux exemplaires m'a coûté deux genoux et juste pour la Regina, c'était pour la route, c'était l'œil, parce que ça faisait mal aux yeux. Ah là là, ouais, mais... C'est fou. Hein. Ah, il reste plus grand chose à casser. Ah ouais, là il n'y a plus grand chose. Ah bah tranquille, prends 18, il a dit. Il y a les coudes. Il faut mettre de l'huile, hein, là, c'est... Ah sinon, bah, ça va rouiller. Hein. Pourquoi je grince? Ah, mais j'en ah mets bah, souvent, ça risque d'arriver. Sinon... J'en mets souvent, souvent. Vous croyez que si on vous met dans l'eau, assez longtemps, bah vous non, rouillez? C'est du titane. Ah. Par contre, si je prends une balle et qu'elle est bien envoyée dans un certain angle, elle peut ricocher. Elle et rebondit. Ne pas toucher, elle rebondit. Ou alors, elle fait exploser les suspensions pneumatiques et du coup créer une explosion ouais, d'équivalence d'une grenade, Semtex. Okay. Et bah yes, comme ça c'est bien, ça vous fait exploser avec. Ah bah disons qu'au moins bah, je perds une jambe, hein, quoi. C'est, après c'est la jambe entière mécanique. Hein. Vous avez une mine, quoi. Est-ce que c'est la même personne qui paye pour tous les véhicules? Attends, on va aller... Alors non, on va pas payer pour un manoir, mais pourquoi pas. Non, pas vous. Si, bah si. Oh bah, sur le, sur pouvez, la... hein, ah, je pense que je vous avais déjà bien payé une réparation. Vous êtes... Ouais, c'est vrai, je suis genre pas gentil. Oh là là. Je ne rigolerai pas à cette blague. Même par pitié. Ouais, let's go, on va retourner en pas de patrouille. Pour les autres. Pas de patrouille. Ok, ça marche. Violette, t'as rien, vous avez fait la facture pour les... Oui. Oui. Et la facture est coupée. Ok, nickel. Ah oui, donc ça c'était le véhicule de police. Bonne soirée à vous. Et bonne soirée à vous. Bon courage. Bonne chance. Alors, par contre, c'est laquelle, la mienne? Comment ça? Ah, j'ai peut-être rayé un peu la peinture, hein, désolé. Tu veux qu'on aille à l'intérieur? Ouais, attends, deux secondes, je réfléchis un peu dans ma tête. Oh, ouais. Pas de soucis. Allez, on peut y aller. Ça va être rapide. Hein. C'est juste par rapport au client d'avant qui avait les chapeaux. Ouais. Ah, donc que j'ai attrapé à la fourmilière. Ils ont dit qu'il y avait eu traitement de faveur sur d'autres gangs. On aurait apparemment réparé directement sur place à la fourrière.
Moi je dis que on passe ça au Venise. C'est pas impossible qu'on le fait sur des véhicules qui pouvaient pas être déplacés si on n'avait pas de flatbed présentement. C'est pas une question de traitement de faveur, c'est une question de capacité. C'est ça, ouais, ils ont dit que on leur faisait des réductions. Alors, pour ceux qui sont sous contrat, mais voilà. Bah, ils sont et tous du coup, ils ont réclamé une réduction également parce que le véhicule n'était pas mis en fourrière. Parce que, tu sais, des fois, on peut pas les mettre en fourrière directement. Ouais. Quoi, ça veut pas. Et du coup, celui-là, il était pas en fourrière? Bah, je l'avais mis dans la fourrière, mais je pouvais pas le mettre. T'avais pas eu le. Sur la tablette F6, ça voulait pas. T'avais pas prévenu quand t'arrives pas à mettre en fourrière, il faut le planquer derrière. De l'autre côté. Ah, ok. Tant pour moi. Alors, normalement, c'est en 91-53 la fourrière. Et du coup, on le planque en 91-48. Attends, je vais regarder rapido. Ok, oui, je vois. Oui. Voilà. Juste de l'autre côté, au niveau de comme ça. Ah, ouais, non, je t'ai pas eu tout au courant. Ok, mais j'en souviendrai. Pas de soucis. Mais oui, de toute façon, quel rapport? Une réduction. Alors, ils ont pas payé la fourrière, du coup, ils voulaient qu'on leur fasse payer encore moins. Je comprends pas la logique. Bah, ouais, en plus, moi, je leur ai dit. Enfin, j'allais leur dire. Vous avez eu de la chance, vous ne payez pas la fourrière. Voilà, moi je trouve que c'est bien, quoi. Ils sont acquittés de 500 euros et en plus, ils enfin. Bon, ils étaient tous très sympas sauf le meneur, quoi. Ouais, mais après, bon. De toute façon. Voilà. Parce que moi j'ai dit clairement, il n'y a aucun favoritisme au Venise, il y a des personnes sous contrat, d'autres non. C'est ça. Il n'y a aucun traitement de faveur pour certains gangs et pour d'autres. Alors là, clairement, non. Là, je veux te dire, j'ai fait un seul traitement de faveur. Le premier traitement de faveur que j'ai fait depuis très longtemps, c'est ce soir. J'ai fait une réduction à Lee sur sa. Ouais, sur voilà. Voilà. On est d'accord, collègue, que ça reste là-dessus, quoi. Exactement. Oui, ça. Depuis que je suis arrivé, et même avec les anciens patrons, c'était le. Ce qu'ils essayaient à tout prix d'enlever ça, la notion de certains payent plus que d'autres en fonction de quel point on les aime. Non, non. C'est, on essaie de faire un prix au maximum juste pour tout le monde. Et il n'y a pas de favoritisme, effectivement. Si la personne est sous contrat, bah, elle est sous contrat, quoi. Après, si eux veulent avoir les mêmes bénéfices qu'une personne sous contrat, bah, ils peuvent me demander un contrat. Mais après, ouais. Comme je disais. Ah, ouais, puis en plus, j'avais pas le droit à la discussion, quoi. C'était, s'il vous plaît, attendez que je finisse de parler, quoi. Ça, c'était la réponse que j'avais en face. Ah ouais, d'accord, quand même. Alors bon, je me suis tué, j'ai laissé parler, puis après j'ai amené le véhicule. Ouais, de toute façon, les déplacements, on les paye pas selon si on déplace leur véhicule, on leur fait payer selon si nous on se déplace. C'est ça, ouais. Donc si toi tu y vas avec ta. Avec la. Les Lions ou avec la Sultan, bah tu leur fais payer quand même l'aller-retour, que ce soit en flatbed et que tu ramènes le véhicule au Venise ou que ça soit toi qui te déplaces directement. Oui, tu tout à fait. Payer le même prix, de toute façon, parce que c'est toi qui c'est le prix de notre essence, en fait. Bah oui, tout à fait. Donc, pour qu'on aille un client, qu'on aille réparer directement, enfin, qu'on aille et qu'on répare directement sur place et qu'on leur fasse payer l'aller-retour que nous, on fait, ou qu'on emmène le véhicule et qu'on répare au Venise, de toute façon, on paye le même prix. Ouais. Et je crois qu'il y en avait un qui voulait te voir pour un problème de facture, je sais pas si c'était... Oui, ça a été réglé. Ouais, ça. Ok. Il n'y a pas de soucis, ça. Mais ouais, écoute... Bon. Je pense honnêtement que te taire et dire bah, j'en parlerai au patron, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Je préférais t'en parler au cas où il y a de nouveau des retours comme quoi il y aurait des traitements de faveur. Mmh. Je pense pas qu'il y en ait, très honnêtement, au vu des personnes qu'on a, même des nouvelles intérim et tout, je trouve que tout le monde est très, très correct dans son travail. Donc, Ah bah oui, mais de toute façon. Nous, c'est notre politique globale, pas de favoritisme, pas de traitement, ni de faveur, ni de. Ni. Et on va pas non plus faire payer plus cher les personnes qu'on aime pas. Oh ben non, même c'est si clair. On les aime pas. Et clairement, c'est une des raisons sur lesquelles, si on remarque un intérimaire qui se comporte pas bien vis-à-vis de ce sujet-là, c'est un truc sur lequel on peut décider de mettre fin à l'intérim. Hein. Ouais, je pense pas qu'il y en ait, mais. Non. Le Turoc à vous, comme non, moi non plus, j'ai pas l'impression qu'il y en ait actuellement, mais voilà, c'est, tu vois, pour moi. Dans les choses qui peuvent être problématiques pour les contrats, c'est quelqu'un qui fait visiblement des choses illégales et tout le monde s'en rend compte, donc ça pose des problèmes à l'image du Venise. Quelqu'un qui vient jamais bosser, qui prend juste le salaire sans rien foutre. Et effectivement, quelqu'un qui se comporte pas professionnellement, donc en faisant payer plus cher ou moins cher selon ce qu'il a envie, tout ça, c'est une faute professionnelle aussi. Hein. C'est ça, ouais. T'as bien réagi, et t'inquiète pas sur le sujet.
ce dont ils nous ont accusé complètement faux. Et bah oui, ils n'avaient aucun droit à te demander une réduction. Donc tu t'es bien compris. Après, bon, je leur ai pas dit parce que voilà. Avant, s'ils sont pas contents, ils vont voir ailleurs, quoi. De toute façon. Ah, totalement, hein. Je leur ai pas dit parce qu'ils nous appelaient un télab. Voilà. Mmh. Non, bon, voilà, c'était tout. C'était tout. Non, mais c'est bon fait. Mais écoute, s'ils reviennent te voir en te parlant de certaines personnes ou certains groupes qui ont des privilèges en plus, tu peux leur dire, bah oui, c'est des personnes sous contrat. Si vous voulez un contrat, on peut se négocier. Ça peut se négocier pour voir quelle personne. Ouais, voilà, ça marche. Tout simplement. Ah, bon, faut que je remplisse. C'est moi du contrat. Ah, il y a un manager. Et pour ça. Darrel, Guerrero. Darrel. C'est ton papa, Darrel. Darrel. Ok. Parce que j'ai l'impression que les gens ils ont un peu un problème avec mon prénom. Et tout, tu t'appelles comment? Salut, Calais, on t'entend pas? Ouais, c'est pour ça que j'ai entendu. Ça y est. J'attendais qu'il se présente. Tu avais un gâteau dans la gorge? Quoi? Tu avais un gâteau dans la gorge? Non, j'attendais que tu te présentes. Ah, si. Tu donnais ton prénom, donc j'allais pas interrompre. Ouais. Tu es le patron, tu peux faire ce que tu veux ici. Ouais, mais un peu de politesse quand même. C'est une bonne chose. Vous allez bien, mon Benjamin? Ça va et toi? Ah, bien, bien. Ça se rapproche, hein? T'es jamais fini. Ouais, ça se rapproche, ouais. Oui, j'ai décidé de sauter en parachute aujourd'hui. Je te casse les jambes ou tu meurs, je te tue. Moi, j'espère du coup que non. Non, c'est bon, du coup, ça va. Et t'es entier. Parachute. C'est mieux, tant mieux. C'est mieux pour sa santé, je pense. Mm-hmm. J'aurais aimé éviter qu'il soit plâtré de la tête aux pieds. Ouais. Oui, j'imagine. Et pour quelle occasion? Peut-être compliqué de danser. Forcément. Pour une occasion spéciale? Ouais. Si vous poussez les poitrées, oui, c'est pas très bien pour danser.
une pour la shoot, ça c'est une bonne chose à faire, c'est rigolo. C'est rigolo, ouais. Ouais, bah en fait, moi je reconnais. On a 2 sur 3 blessés quand même, hein. Et vous, c'est pas rigolo, Richie, mais... revient Richie, ouais, tout va bien. Okay. Bon, et du coup, j'imagine que Jarod fait pas encore partie des blessés. Ah non, non, il a pas été blessé. Ok, du coup, c'est les centres. Par élimination. Un lien, mais Paul, au SMS, là. J'espère qu'il va bien. Oui, ça va, pas de fracture ou quoi, normalement, tout va bien. Ok. Il y en a un qui a fait jbonk. Un autre qui a mangé une branche. Nickel. Faut faire attention, hein. C'est dangereux, mais... J'arrête pas de le dire. Ouais, bonsoir. Ah, c'est tentant, hein. Je me suis dit, ouais, c'est cool le parachute, oui, mais je vais pas le tenter à 3 jours du mariage. Pour une petite préparation, c'est possible. Je comprends. C'est pas forcément très pertinent de se casser la jambe 3 jours avant le mariage. Voilà, mais il a des... Ouh là là. Et... Il a vraiment de tête, là. Oui. Ah, il y a mon collègue qui se trouve, allez-vous. Présente Darel, je ne connaissais pas. Et ce Darel, vous me voyez. Oui, c'est un nouveau. Tout beau, tout un autre nouvel intérimaire, Darel. Et l'autre nouvel intérimaire, Violette, anciennement du vignoble. Oui, c'est moi. Et Jane. Voilà le véhicule tout neuf. Et moi, c'est Edgar. Et nickel, je te remercie. Pas de soucis. Il y a beaucoup de verres ici, il y a besoin. Sur ce genre de véhicule. C'est beau le vert. Oui, c'est beau. Il préfère les bleus, mais les verts, c'est une couleur de la forêt. Alors, les verts, c'est nos voisins. Et... Ah, c'est des Yang qui sont là. Ouais, on met pas les abonnés. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça me rappelle la Yang dans mon pays. Des expériences avec les bleus, hein, perso. Juste au sud d'ici, il y a une jungle dans laquelle il vaut mieux pas passer d'arrêt. Moi, c'est le colo de mon pays. Si, nous te conseillons fortement de te tenir au courant sur le Weasel News. Mais il y a comme le Maduro et les Weasel News, c'est pas sur le malin. Évite de te promener en bleu dans le quartier si tu passes. On est au Pignez. Vous pouvez aller à vos de vos amis. Yes. Comment ça va, quel est? Ça va. J'avoue, des fois, j'ai un petit peu mal à comprendre ce qu'il dit. Ouais. Bon, oui. J'ai non plus la part avant tes peurs, mais bon. Après, tu bosses bien, voilà. Mais. Quel est, c'est pour une couture de la voiture? Ok, et bah allez, let's go. Et il peut pas la faire. Ah non, je peux pas la faire, t'as intérimaire, les intérimaires vont pas voir. Et il peut pas la faire. Ouais, je sais bien, c'est moi qui ai mis cette règle, donc. Et bah c'est toi. Et bonsoir. Petite cuistot du coup? Ouais, s'il te plaît. Allez. Et lui, je peux regarder. Bien sûr que tu peux regarder. Y'a pas de soucis, tu peux regarder. Je vais même te dire que montrer de l'intérêt, ça fait pas de mal. Ah. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse? La couleur et enlever l'aileron. Ok. Enlever le nacrage, mettre en noir mat et du coup enlever l'aileron. D'accord. Noir mat. Aileron. Plus d'arrondissement du tout? Plus d'arrondissement du tout, ouais. D'accord. Nickel. Et aussi faire des changements de perf. Ok. Du coup, la full custo, à part les suspensions. Ok. Et mettre blindage 3. Donc pas de suspension, mais de turbo? Oui. Ok. Et blindage 3, oui, oui. Et ouais, blindage 3. Tu es sûr de ton choix? Oui. Alors, juste pour te prévenir, hein, ça coûte cher. Hein. Le blindage 3, ouais, c'est 60 000. Ok, y'a pas de soucis. Ok. Et on pourra le sticker aussi. Un sticker? Je crois qu'il y a il y a l'air d'avoir une barre au milieu, ouais. Attends, oui, je crois que oui. On va voir ça de façon très rapide. Tu sais quoi? Attends, déjà, je te mets tout ça. Comme ça, c'est fait. Donc, du coup, actuellement, enlever l'aileron. Blindage 3, les freins, le moteur, la transmis, le turbo et le nacrage. Yes. Ok, impeccable. Donc, du coup, on est actuellement. On est actuellement sur. Non, je suis foiré.
Pardon, je me suis trompé dans quelqu'un. Aïe. J'ai oublié un truc. Voilà. On est actuellement sur 109 520. Ok, ça marche. Ok. Oh mon dieu, j'espère que tu vas pas te tromper pour la facture cette fois. C'est pas moi qui me suis trompé sur la facture. Non, mais me l'envoyer à moi, le face de. Ah, mais on va essayer de faire ça. Ouais. Alors, du coup, voyons voir. Effectivement, il y a une bande. Voilà. Il y a une bande. Alors, du coup, ça fera 250 de plus. Pour ok, ça marche. Du coup, voilà. Ça fait combien Du coup, bah, ça fait un total de 109 765. Non. 70. 770. 109, 70. Ok. C'est ça, 109, 170. Ça marche. Alors, attends, je fais la facture et on va s'occuper du stickers. Est-ce que je peux payer la facture dans genre 5 minutes? Oui, bien sûr. Okay. Surtout pour un montant pareil. T'es pas obligé de venir de la sortir de la banque. Tu peux aller faire aller à ta banque et payer ça directement sans problème. Ok, ok. 109, 770. Nickel. Merci. Impeccable. Alors, pour les stickers, c'est rigolo et ça peut prendre un peu de temps. Donc, ma tablette métier. Deux véhicules. Et maintenant. On est parti. Comme je disais, hein, ça peut être un peu long. Je crois encore on est bientôt. Let's go. Et voilà. Elle est passée où? Merci. Fourrière. Ah, d'accord. Est-ce que tu as besoin qu'on t'emmène? Non, c'est ok. Ok, parce que quand tu sens, ça ferme le trajet. Merci beaucoup. Avec du coup, je paye ça. Et ben merci, des bisous, bonne soirée, bon courage. Merci, des bisous, bonne soirée. Et salut Tom, ça faisait longtemps. Coucou Tom. Salut. Ça fait plaisir de te voir. Ah, restez pas devant, il a le chalumeau facile. Le quoi? Direct comme ça là. Ouais. Ah, oui, ah, mes yeux, ah, mes yeux. Je vous avais prévenu en même temps. Demain, effectivement. Dis-moi Tom, t'as eu ta prime? Non. T'as pas eu ta prime? Allez hop. J'ai pas ta prime. Depuis le temps, non. Faut que j'aille changer. Vous y avez calé? Ça marche, bonne soirée. À demain, calé, bonne soirée. Demain. Ah oui, au fait, plus besoin de doter les passages de la main noire, du coup, vu qu'on a fait le contrat. Oui, du coup, la prime de Tom. Je donne ça. Hop là. Ah, nickel. Ça, c'est fait. Et...
Il faut que je saisisse un pécal. Donc du coup, ils ont assuré... Mais ça fait longtemps qu'il y a autant d'intérimaires. Bah on en a embauché 3 hier. Donc ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, du coup. Ça fait depuis hier. Ah non, parce qu'on s'est retrouvé à quoi, 5-6 en service en même temps, là. C'est... Je reconnaissais plus le Bénise. Hein. Ah ouais, ouais, non mais hier c'était pareil. C'est bizarre, hein. Ça, c'est pas mal non plus. Hein. Ah ouais, non, c'est cool. Ça fait plaisir de pas être tout seul, en galère. Mais bon, tout à l'heure, même à un moment, même à 5-6, là, on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Hein. Ah, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important qu'on soit pas deux. Quand on est arrivé, enfin quand moi je suis arrivé, il y a eu 3 inters, plein de réparations, c'était là au secours. Ah ouais. Par quelle heure? 21h, 21h15, un truc comme ça. Ah ouais, 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 en plus il y avait du monde et j'étais voir le doc Lobby, et Violette a été toute seule. C'était la galère. Terrible. Et en fait, Trent, t'as eu des nouvelles de Hayden? Ouais, ouais, du coup, a priori, il a eu un accident pendant qu'on était dans le flatbed. J'ai pas tout compris. A priori, lui non plus ne sait pas tout. Mais il est où les SMS? D'ailleurs, à ce propos, il a toujours sa moto. Je lui ai envoyé un petit message, il vient la chercher. Avec Avril. Apparemment, ça s'est pas fait. Qu'est-ce qui s'est pas fait? J'ai pas compris ce que t'as dit. Qu'est-ce qui s'est pas fait? Trent, il a voulu tuer un intérimaire, c'est tout. Alors, a priori. Vu comme ça. Tom m'a dit qu'on a 10% de pertes autorisées. C'est Franck. C'est Franck qui m'a dit ça. Ouais, non, mais c'est ça, c'est correct. Donc, on reste dans les quotas, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oh, si on se met à 4 sur la voiture, on peut faire une répa en mode. Tu vas aller dans les stands de Formule 1 quand ils se mettent à plusieurs pour aller. Allez, let's go! En plus, elle va bien toucher. Attends, on t'attend sur place. Non, moi je monte dans la voiture. Ouais, bonjour. Eh, bonsoir. Alors, c'est cocasse, mais on a comme l'impression que la clim elle marche très très fort. Ouais, ça a l'air de bien marcher. C'est bizarre. Et puis, y a plus beaucoup de lumière à l'avant, à l'arrière, et je crois que la peinture elle a une petite rayure. Effectivement. On va voir ça. Mais je crois que c'est le bas de caisse. Ouais, c'est, ça doit être le fond de culasse. Ça doit être le bas de caisse. Ça doit être ça. Tu conduis, Kalei? Non, non, moi je suis à l'arrière. Ah, bah, t'es à l'arrière, bah, je conduis. Ah merde, attendez, y a quelqu'un. Ah, le taxi m'éblouit. Non, non, trop tard, on est parti dans cette réparation. Ouais, trop tard. C'est trop tard. Hein. On arrive. On a juste une réparation à faire devant. À 4. Ah là, là, en plus, j'ai tous mes expérimentés là. C'est plaisir. Ah, pourquoi c'est moi qui ai le plus gros truc à faire? Ça dégoûte.
Non, mais c'est pas. J'ai mal choisi. Pas vol. Vas-y, Tom, sors ton chalumeau. Ah, cette réparation incroyable. Effectivement, c'est pas mal. Non. Ça s'appelle de la productivité. Là, on fait vraiment notre maximum. Vu la lumière qu'on fait, à mon avis, on ne voit plus la lune. Un peu, ouais. Je vais chercher une porte. Comme c'est gentil de m'ouvrir ça. Oula, oula! Ah, tiens! Vas-y. Ah ouais, je t'aide un petit peu. Courage, Tom, courage! Oula, ouais, c'est. Ça va, Tom? Derrière, allez, ah ouais. Courage! Tu vas traverser ses épaules. Chercher des feux. Bon, je vous laisse finir, je vais voir le taxi. Ouais, j'ai terminé là. Allez, petit coup. Merci, Lily. Calme. Allez, hop. Bon, je te laisse finir, je vais voir le taxi aussi. Ouais, ouais. Là, je suis en train de finaliser. Pas calme. Pour la loi. Et voilà, pour vous, messieurs, une clim en moins. Merci. Ah, super. Ah, c'était bien le petit bouton, c'est ça, c'était la bisoune. Oui, tout à fait, oui. Ah, super. Bon, Cadet, ce qu'on va faire maintenant si on a trop froid, c'est-à-dire que toi, à gauche, tu mettras full froid, et moi, à droite, je mettrai full chaud. Je suis sûr que c'est la même chose que ça devrait faire. Vous avez vu, on vous a fait une réparation express digne des mécanos de Formula. Ah, ça, c'est quel plaisir. Quel plaisir. Bon allez, je vais rentrer dans le véhicule, péter la fenêtre comme d'hab et on y va. Allez, à tous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Je crois que dans l'opération, on a perdu Tom. Je crois aussi, hein. Il a peut-être serré dans le coffre.
J'espère que non. J'espère que non, le pauvre. Bon, moi je pense que je vais pas tarder à vous laisser, je suis assez fatigué. Oh, pas de problème. En tout cas, c'est... je passe une bonne soirée. Bah ouais. Et ben voilà, c'est une pause pour moi, je change ma moto. Oh, allez, bonne soirée. Et bonne soirée. Encore 2400 et je peux acheter la Chimera. Ah, 2400, ça va passer vite. Eh oui. Ah, lundi, c'est bon, tu les as. Peut-être demain. Pas ouais. Même demain. Ah oui, probablement. Bon, ouais, en vrai, de façon raisonnable, je prends ma fin de service et j'aime chez nous aussi. Bah, pas de problème. Ouais, non, mais non, c'est quand même. Il gestor là. Comment ? Et ouais, bah ouais. C'est pour ça. J'ai regardé l'heure et je me suis dit, quand même. Bon, bah, je vous laisse tous les deux, je vous souhaite une bonne nuit. Et bah, la bonne nuit. Une bonne fin de service à vous. Thank you.
What's wrong?